Hey, bienvenue à Outlast, Whistleblower, partie 4. Ici Frankie de Alan Key, et ben c'est pas mal ça. On tente vraiment pas de faire ça. On va par là. Hein. Aussi simple que ça. Ben mon gros tabarnak de calice. Yes! Enfin! Oh! Première fois que je vois une sauvegarde. Elle était rapide en tabarnak. Quoi, je dors? Je sais pas, je vois rien. Non, on voit quand même Sweet Fuck All. On va se promener bien tranquillement. Ok. Il y a actuellement quelqu'un qui se promène, c'est certain. Je sais pas si c'est un ennemi ou non, fait que j'ai peur, peu importe. Pas rassurant, du sang sur des souliers. Il y a des traces de souliers en sang. Oh. Ah! Ah! Ils se rendent pas compte que c'est vraiment pas bon sur le cœur. C'est la limite, ok? Mais c'est où il faut que j'aille? Les escaliers, ok? Vraiment désolé qu'on voyait rien, mais c'est pas de ma faute. Juste que le brouillard il est de manière insensée, ultra trop puissant. Oh! Ah ouais? Ok, bon. Eh? Je peux pas raccrocher le téléphone, ok.
Hein? Oh, une porte. Avec un fou en dedans. Et ça, ouais. Essaye au moins d'ouvrir la porte. Hein? Ok, maintenant c'est ouvert pis y'a plein de sang. Je sais pas si je suis bien centré. Ok, ça aide un peu de même, mais... pas tant que ça. Ici? Non, j'y ai pas été. Et il y a un cadenas. Oh! Mon ami, le bonhomme! Oui, c'est mon binôme! Poser là. Et fuck that, on voit rien. Non, ok. Bon, on va continuer notre chemin. Safe as fuck! Yes! Je suis content d'avoir des saves. Moi, ce que j'aime pas de ça. Felix, Maris, I would like to kill him. As would I. Hein? T'as peur! Oui, c'est les frères à poil! Je sais pas si c'est une autre scène du premier ou non, tu sais. Laisse-moi monter! Monte! I feel so joyful. Ok. Oh, tarnac, tu niaises. Oh, moi, je peux aller là. Ah, ok, parfait. Un autre document. Journal. Psychopathe à proximité. Qu'est-ce que c'est déjà? Me suis-tu écrit quelque chose à moi-même de nouveau? Non. Pas dur dans la prison. Ouais, mais... ah. Ok. Ouais, qu'ils ont arraché une tête pour jouer au basketball. Tout le monde sait qu'un crâne ça rebondit pas, il aurait dû prendre n'importe quoi d'autre, hein, des organes. Mm-hmm.
parce que c'est sûr que j'étais barré, ok. Ok. Rien, ok. Bon, au moins cette partie-là, ça avance quand même bien. Pas besoin d'aller sur YouTube pour trouver une trappe secrète en quelque part. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Hmm. Le monde pourrait au moins raccrocher le téléphone, gang de cons. Oh non, non, non. Pepper. Tabarnak. Yes, la radio. Oh, oh le tabarnak. No. Oh! Waylon, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. No. Tabarnache. Tout cassé ma radio. Come on, Savage! Votre par ici, c'est gros con. Oh, oh, oh. Le jeu lag. Hey, si. Mais répondre après. Ah non, tout de suite, hein. Et mon ami veut savoir, Outlast coûte combien? Ah. Hey, hey! Another poor soul. Don't be afraid, you hey! Do whether you know it or not. C'est frère Martin! Ok. Note. Appelé abattu déprimé. Quelqu'un qui ressemble autant à un prêtre que cet endroit ressemble à un asile. Inscrivant ses instructions sur le mur, parlant de Dieu, il me dit de ne pas avoir peur. Comment ai-je pu faire partie de ce putain de génocide dû à une avidité humaine? Non, inhumaine. Les monstres que Murkoff a créés à partir d'esprits torturés, le tout protégé par cette clique de minables, musclés et suréduqués, ou suréduqués, leurs propres hommes massacrés. Je n'ai jamais prié de ma vie, Lisa. Mais si une... Hein? Lisa? Mais si une petite divinité interventionniste quelconque est à l'écoute, tuez Jeremy Blair. Avant que je ne meure, esprit vif et avarice, il n'y a aucune souffrance qu'il ne mérite. Il n'y a pas de radio, aucun espoir de contacter le monde extérieur, juste...
s'échapper. Et voilà. Ah, frère Martin. C'est tellement triste que tu te suicides. Oh oui! Oh, je connais ça! Oui, il m'en rappelle, je suis sûr que ça, c'est doit être un des textes de bord de... Pepper. C'était sympa, c'est une projet. Je suis sûr! Je me rappelle, le moment donné, je suis fait... Oh! 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 Puis je suis allé me cacher ici, ouais! Vous allez vous en rappeler. Yeah. Est-ce que vous vous en rappelez? La pièce là, qu'on marchait tout le temps en crouch. Qu'avant je pouvais aller là. Maintenant non, ça a l'air. Ok. Pas de batterie. La cuisine qui avait rien. Sauf une batterie. La batterie est là. Ouais, c'est ça. Ouais. La cuisine, non. Dans le fond, l'entrepôt, mais quand même. Je m'en suis rappelé. C'est malade. Ça fait... 6-7 mois que j'y ai pas joué. Non, plus longtemps que ça, c'était avant que je travaille. Aïe aïe, ça fait genre 10 mois. Quelque chose de même. Wow! Je suis sûr qu'il est derrière moi. Ah! Mais... Y'a-tu bugué? Ah! Voyons, les loadings sont ben trop rapides. Ça me donne même pas un break. Un petit break. Ben oui! C'est sûr qu'il est barré! T'es capable de l'enfoncer full profond. Je vais plus jamais faire ce move-là, ça sonnait trop sexuel. Mais ça paraissait trop sexuel. Voice and Walls. Je me rappelle de ça aussi. Mais tout le monde disait ça. Ok, j'imagine que ça fait un bon petit bout que je m'enregistre. J'ai eu l'impression qu'il y a eu assez de stock là-dedans. Fait que merci d'avoir regardé la partie 4 ou 5 de Outlast Whistleblower. Fait qu'on se revoit dans la prochaine partie. Ciao!